Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes bien le samedi 4, si je ne me trompe pas. Oui, le 4 décembre donc 2021. Donc ça y est, depuis ce matin, je suis réveillée à 6h. Voilà, petit café, machin, etc. Sortie de Nuki. En plus, bon, c'est un temps humide, mais moins froid. Donc j'ai commencé à arroser ces grandes plantes là qui s'arrosent qu'une fois par mois. Donc nettoyer aussi les feuilles, etc., etc. Donc ça c'est fait. Le bureau est vide, j'ai tout mis dans un carton et je l'ai nettoyé, j'ai nettoyé derrière, etc. Donc je vais vous montrer ceci. Voilà, le bureau est tout vide, il a été frotté, brillé, etc. Derrière aussi, voilà tout ce qui était le bureau. Hein. Comme vous voyez en dessous, on pouvait pousser, voilà où je mettais mon trépied, je pouvais mettre mes oracles, etc. En dessous, j'avais pas mal de choses aussi à faire. Dans l'autre pièce qui va devenir la chambre, j'ai déjà mis des chaises dans la baignoire, l'une après l'autre, voilà pour faire de la place. Donc, je vais vous montrer ceci vite fait. Donc voilà, c'est vide, ça résonne. Il reste plus qu'une chaise. Je dois raccrocher, je dois changer de rideau, une partie de rideau. Voilà. J'ai déjà fait un colis pour le Noël de ma petite fille. Là, je suis en train de, je vais comment dire, faire d'autres colis pour mon petit-fils, etc. Donc ça résonne. Donc j'ai, voilà, il reste pas grand-chose à retirer dans cette pièce. Voilà, parce qu'il y a il y a un meuble ici qui ne bouge pas, donc ça résonne drôlement, ça fait bizarre d'ailleurs. Et puis un cadre qui va être mis à côté de ici de ce Bouddha ici là. Voilà, à côté parce qu'on voit des marques et ça me plaît pas du tout. Donc ça va être un petit peu spécial parce que ce cadre, je vous montrerai après. Là, ça représente donc le Bouddha, bouddhiste, etc. Et à côté, c'est un cadre avec une image assez vivide d'église. Chacun son truc, donc voilà. Parce qu'on voit des marques, hein, ça c'est malheureusement c'est la cigarette. Hein. En attendant de refaire ce pan de papier, je sais pas, faut que je voie un petit peu qu'est-ce que je vais faire. Donc ça résonne drôlement. Et là, le lit où tous les draps ont été. Les draps, la housse, le drap, les têtes d'oreiller, tout ça, hop, au sale. Plus qu'à secouer donc la laisse. Voilà, donc j'ai déjà avancé. Il y a un carton à côté qui est assez plein. Voilà, où tout est dedans, les oreillers, etc. La couette, le plaid au pied du lit, etc., etc. Donc voilà, donc j'ai quand même bien avancé et puis j'attends cette amie. Voilà, pour 9h30. Donc je vous souhaite un agréable week-end. Et puis pour les personnes qui vont faire des visites en France, eh bien, courage, hein, parce que je pense que plus ça va aller, plus ils vont mettre des trucs. Vous voyez ce que je veux dire, où vous aurez du mal à respirer, je pense. Donc voici, alors, je vous souhaite un agréable week-end. Peut-être que je reviendrai dimanche vers vous, je ne sais pas. Je verrai selon ce qui a été fait aujourd'hui, si je dois fignoler, etc. Puisque sur le bureau, j'ai envie de faire une petite déco de Noël quand même. Voilà. Et écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon week-end. Bisous.